Je crois que c'est vraiment mon moment préféré à chaque fois que je prends l'avion. C'est d'être dans le rayon. Comment ça s'appelle? Rayon beauté. C'est mon moment préféré. Ma mère aussi. On voit vraiment quand on voyage avec les parents et quand on voyage tout seul. Ce truc là, c'est trop bon. Y'a quoi? Non, c'est la truc. Je viens de découvrir une boisson. C'est trop bon, c'est encore meilleur que le coca cherry, mais c'est un petit peu le même principe. On s'est baladé un petit peu aujourd'hui avec mes parents à Camden. Mais il faisait froid, il pleut, donc c'est un peu chiant. Et là, on s'est retrouvé à Kingly Court, là où j'adore venir manger, etc. Dans un que j'ai pas encore fait, ça s'appelle le Dirty Bun. Et on va voir ce que ça donne. Et après, je pense qu'on va encore un petit peu balader dans le coin. Je sais pas si vous m'entendez avec la musique. Je suis impressionnée. Il va jamais finir. Guess who's back again? T'es sérieuse là? Quoi? Je te parlais depuis tout à l'heure et je me retourne. Oh, mais ça manque de respect ça. Je t'ai pas vu moi me parler. Comment ça va? Donc là, comme je vous ai dit, on a mangé au Dirty Bone. C'était bon mais voilà. Ça m'a pas plus que ça éclaté la tête quoi. Ensuite, comme il commençait à vraiment pleuvoir et à faire froid, on a décidé de... Attends, c'est de ce côté qu'il faut regarder. Il y a un mec qui est pieds nus en short, c'est normal. Il a un problème, lui. Mec, ils ont pas froid, il fait moins 1000. Donc on a décidé de rentrer à l'hôtel de mes parents, boire un petit thé, etc. Là, il est 16h. On rentre se reposer un petit peu chez moi avec mon frère. On repartira, rejoindre mes parents, peut-être marcher un peu avant d'aller manger au restaurant. On se retrouve après. Tu veux dire au revoir, Yanis? Non. Et en plus, tu filmes encore? Ouais, je filme encore. Déjà, en plus, je te parlais avant et tu parlais à tes abonnés. Petite pizza aux truffes. Margarita. Margarita. Penne arrabbiata. Pizza Nutella. Tiramisu. Covent Garden et une petite boutique de cupcakes qui fait l'air cool. On va voir ça. Je pense pas que vous allez m'entendre. Juste pour vous montrer où j'ai mangé là, le petit cupcake, c'est juste là. Sweet Heart. Make it go. Oh. J'en peux plus de sa flûte à l'autre. Juste pour vous dire, ce que je viens de vous montrer, c'est des savons. Et on dirait des petits bouquets de fleurs, c'est super beau. Là, on va se déplacer pour aller au musée. British Museum. Histoire de balader un peu et de se réchauffer parce qu'il fait un peu froid. Profite. Et voilà, go British Museum. On est tous pelés. Tous notre bonne capuche. Franchement, il fait vraiment froid là. Le froid est arrivé, les gars. Petit fish and chips. T'es bien là? Papa, ça va le froid ici? Ouais, je crois que je me sens pas trop froid. Petit tristesse, Liba. Petit tristesse, Liba. Il fait froid, mais chez moi, il fait pas froid. Ah, il fait 27 degrés là, 26 degrés. Ça, c'est des jonquilles. Voilà, j'en ai plein à la maison. C'est jonquilles. Voilà, il est bien arrivé. Je suis
magnifique. Regardez. Buckingham Palace. J'ai jamais vu quelque chose de si beau et de si grand. Maman, vous avez un petit mot à dire pour Buckingham Palace? Non, merde, j'adore Buckingham Palace de loin. Si c'est possible, de très loin. On ne leur en dit pas le temps. Il doit se peler. On se réchauffe comme on peut, hein, en buvant un petit cappuccino qui va pas tarder à arriver, je pense, et en mangeant un éclair au chocolat. Je vais croquer dedans. T'as pas croqué dedans? J'espère. Coucou. Coucou. On est avec le frérot au Marie Bonne Kitchen. Fallait absolument que je l'amène ici parce que j'adore cet endroit, vous le savez, à chaque fois je crois que je vous le montre. Et du coup là il va prendre l'English breakfast et moi je me suis pris un petit... j'ai pris comment? Un bagel. Taxi londonien et on se dirige vers Beverly Hills, j'allais dire. De quoi? Notting Hill, pour montrer un petit peu l'endroit à mes parents. Ça, ça l'est vu. Tu verras quoi? Je suis beaucoup mieux ici plutôt que au froid en train de me peler les gens. Ça va? Non. Super, la joie de vivre. On est rentré tout à l'heure à l'hôtel où il y a mes parents en fait pour boire un petit thé, se réchauffer parce que j'étais congelée et surtout pour manger des Ben's cookies. Si je te l'ai pas mis avant, je te le mets maintenant. Oh mon dieu, t'es sérieux ça? Effet spécial. Ouais, donc on se repose un petit peu avant de ressortir pour manger un bout de... Or, parce que c'est leur dernier soir et après retour en France, mais je suis trop triste. Yanis a découvert lors de ma dernière vidéo ASMR que j'avais des espèces de... Comment ça s'appelle? Floam, je sais pas. Floam ou je sais pas quoi. Et il a trouvé ça trop cool. Du coup, il se la régale. Et ça me donne envie d'en acheter plein, plein, plein. Fais-leur un petit cours d'ASMR. Mais vas-y, en fait, pourquoi je fais ça, moi? Pourquoi je t'écoute? Parce que je suis ta grande sœur. Tiens, montre ton pull, Yanis. Montre qu'on est frère et sœur. Bleu, montre! Montre à la famille, quand même. Tranquille, tranquille. Voilà, lui, il est en bleu. Yeah, baby! Et moi, je l'ai en blanc. Je le kiffe parce qu'à l'intérieur, il est mal tenu, tu vois. Et franchement, ça fait trop du bien. Tu devrais trop faire des vidéos ASMR. Esprit avec des trucs comme ça, genre des slim et tout. Tu sais que moi, la première fois où ils m'ont demandé une vidéo slim, j'ai cru que c'était une vidéo sur mes jeans. Bah, franchement, quand tu connais pas ce milieu, tu peux pas savoir que ça veut dire... Bref, on vous retrouve après. Oh, je me fatigue à dire bref, c'est un truc de dingue. Ça, ça te fatigue. Je vais te démonter. Peace. Hello, girls. Vous voyez pas trop où je suis. Mais en fait, aujourd'hui, on va avoir 51 degrés avec les copines. Dans un joli cinéma et je vous embarque avec nous. Vous n'avez pas trop un cinéma? Ça va commencer? Non. Voilà comment ça finit quand je suis toute seule. Un peu de pain, du fromage Philadelphia parce que ici je suis devenue fan. Un peu de jambon grillé, des œufs, ouais, une espèce d'omelette et des tomates. Bien loin le gros délire, trop cool où on mange dehors. Hein, Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé là dans cette semaine. Depuis 50 nuances degrés, 50 nuances plus claires ou je sais pas quoi. Franchement, moi j'ai adoré le 3, je sais pas vous, enfin je sais pas si vous regardez ce genre de film. En plus, c'était l'occasion de tester un super cinéma où tu peux manger, boire un coup, etc. C'est des salles qui sont réduites en plus, donc il n'y a pas beaucoup de monde. Et là, depuis 2 jours, je suis enfermée chez moi parce que j'ai beaucoup de boulot pour l'école. Ils nous ont tous envoyé des mails genre
exercices, devoirs à rendre, etc. etc. comme ça. Donc je me suis fait une liste tellement qu'on a des trucs à faire. Hey, vous avez vu ce joli ciel bleu? Ça fait du bien de sortir. Oh, alléluia! Depuis hier, entre la vidéo, les cours et tout ce que je vous ai dit, j'avais envie de sortir un peu, de prendre l'air frais. Et en même temps, il fait beau. Il y a un beau soleil là. Je vais rejoindre des copains pour boire un café. Sinon, ben... Ah, il y en a un, il a oublié d'enlever son truc de Noël là. Sinon, tout va bien. Hein. Écoute, je vous retrouve une fois que je suis au café de toute manière. Il est pas trop beau. Je viens de balader là, comme je vous ai dit. Je le trouve trop beau ce chapeau. J'aime trop comment il est. 50 francs, c'est trop cher. Il y a toujours des trucs trop beaux. C'est Anthropolo, je sais pas quoi là. Je pense que vous devez connaître. Ou pas, cette marque. Ça, c'est trop moi. Il est vraiment trop beau. J'en ai marre parce qu'à chaque fois à Londres, à chaque fois que je vais dans une boutique, 100 pounds, trop cher. À chaque fois que je vais dans une boutique, tu peux être sûre que je vais avoir un coup de cœur. Normalement, tu vois, j'ai pas souvent des coups de cœur quand je suis en France. Ici, je dois avoir des coups de cœur tous les jours. Combien ça? 48 pounds. Ah, ça, j'aime bien, avec les manches comme ça. Je te montre. Avec le col et les manches, j'aime trop. Je kiffe. Non mais vraiment, regarde-moi ça. C'est trop joli. Je suis toute seule, alors du coup c'est comme si je te parlais un petit peu que t'étais avec moi. Putain, les deux, elles sont trop jolies. Cette boutique, elle me fatigue. Ça me fatigue. Je me régale. Même si je suis solo, je kiffe. Je kiffe parce qu'il y a trop de trucs trop mignons. On se laisse pas abattre, les gars, ok? Petit McDo, petite série Netflix, petite glace pour le dessert. Et oui, je me suis fait livrer. Et oui, je me respecte pas. Oui, je suis allée chercher ma commande habillée en sirène. Oui, mes gars, oui, je sais. Oui, je sais, c'est pas bien, je parle la bouche pleine. Oui, je sais, je suis restée peut-être un petit peu trop toute seule là pendant 3 jours et je pète un peu les plombs. Je sais, ne m'en voulez pas. Alléluia! Putain, j'ai deux gueules! Je m'étire! Je pars un peu dans tous les sens, hein. Je sais pas si vous avez tout compris, hein, mais c'est pas grave. Comme vous voyez, je suis restée un peu trop toute seule. Bref, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, je ne sais pas où regarder. Si c'est le cas, pense, je sais pas où regarder, qu'est-ce qu'il y a, il est où le problème? Je sais pas. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pense à la liker, pense à t'abonner en barre d'infos. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, mes moments volés. Et sinon, on se retrouve vendredi pour une vidéo ASMR. En attendant, peace. Et merci d'avoir regardé, hein.